Salut la famille, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Mise à jour de l'actualité, je vous informe dans l'humour. C'est du n'importe quoi. Je m'en fous. C'est quelque chose qui m'énerve. Allah. Corom Fabomba Alpha Condé, venez s'il vous plaît. Mais je vais avoir des problèmes. Je qu'en pense que vous... Moi, j'ai aucun problème. Très bien. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai appelé? Bien sûr. Dites-moi pourquoi. Tu me critiques. Eh, grand-père, jamais. Moi, vous critiquez à sa fourlaille. On va commencer à faire le contrôle. Le contrôle de quoi? Tous les gens qui ont construit des grandes villas, on va enquêter pour savoir comment ils ont construit. Est-ce que c'est avec leur salaire ou avec prêt bancaire? Je sais que vous visez l'opposition encore. Ça concerne tout le monde. Opposition comme mouvement présidentiel. Yaginara. Il n'y aura plus de pagaille en Guinée. Grand-père, je ne pagaille pas go. C'est lui là le vrai pagailleur. Pourquoi? Quel pourquoi? On dirait que tu ne sais pas. Ah, moi je ne sais pas. La grosse villa qui se trouve à Totomala appartient à qui? C'est pour nous. Pourquoi vous avez élevé la clôture à 5 mètres si ce n'est pas pour pagailler? C'est pour nous défendre. Donc toi aussi tu as peur? Je suis peur. Vous devrez prendre la sécurité pour vous sécuriser. Pour ne pas que les gens prennent des cailloux pour vous lancer. Mais c'est de sécurité même qu'il apprend les cailloux pour me lancer. Pourquoi les sécurité? Pourquoi ils sont ici? Gros point d'interrogation. Ils sont pas ici pour nous saccager. Tu pars où comme ça? Je viens rentrer chez moi. C'est tous. Grand-père, vous l'avez écouté. Je suis choqué. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? L'impunité, c'est fini. En tout cas, pendant ce temps, nous, on a... On a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On a souffert. Par insécurité, nettoyage, les bandits souris armés jusqu'aux dents attaquent la maman devant ses voisins. On a souffert. Voilà mes voisins ici. Voilà moi ici. Tous les souris vont me dire bonjour maman. Moi aussi je vais dire les souris. Hein? Vous allez bien ici. Est-ce qu'ils sont venus seuls pour rentrer? Ils rentrent là-bas avec beaucoup moustiques là. Ils vont dire oh, regarde, tu es là. Grand-père, ne riez pas en parlant des moustiques commando qui peuvent te lancer des flèches en plein 14h à Kaloum. Votre premier plat de la 4ème cuisine, accompagné par la sauce, le concours, est pris en otage par des insectes surnommés brété rouge. Ils font ravage à Conakry depuis le début du mois de novembre. Beaucoup de personnes sont victimes de piques de ces insectes, connus sous le nom de mouches Nairobi. Donc, évitez de vous coucher nu, parce que Nairobi ne sera pas là pour vous sauver. Elle est déjà morte dans le film. Hey! Pause avant de continuer. Toi qui me regardes en ce moment, qu'est-ce que t'empêche de partager la vidéo? Mais partage, ça sera ta façon de me soutenir. Merci de partager. Crise de œufs à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Pour cause, d'après les rumeurs, les poules sont en grève. Parce que les Dakarois donnent les œufs à crédit. Bon, je qu'en pense que... On ne t'a pas demandé. Que pensez-vous de la crise des œufs à Dakar? Chers amis, présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Je me présente jamais. Vous vous présentez pour ces personnes qui ne vous connaissent pas? C'est ceux qui me connaissent pas, tant pis. Moi, je me présente pas. Et toi? Non, ça, je parle de la sagesse. Sénégal, franchement, n'a pas mérité. La loi ou la loi? La population se venue toujours de souffrance par la souffrité. Nous sommes un pays merveilleux, nous devons partir en profondeur en ce moment, mais pas de faire un redressement. Quelle est la différence entre la poule et le poulet chez vous ici? La différence est que la poule c'est quelqu'un qui pond des œufs, c'est-à-dire femme coq quoi. Bon, le poulet c'est le coq homme. Culture. Hey, c'est quelle langue ça encore? N'essayez pas de comprendre cette langue parce que vous ne la maîtrisez pas. Pardon, présente-toi. Vous avez capté. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? C'est pour vous annoncer mon tube qui arrive. Le tube qui arrive, ça va s'appeler Namongonoma. Tu as intérêt que ça soit bon. Écoutez le son, je ne vais pas trop parler. Trop bon.
quand même. Sortie officielle le mardi 24 novembre sur sa chaîne YouTube. Anti-crazy. Namungonoma. Partagez ma vidéo. Namungonoma. Karaoke. Qui peut nous chanter la musique de Stromae? Formidable. Oui, Grampé. Non, Grampé. Je t'ai dit Stromae, formidable. Quel piégé. Hé, hey, pas l'hymne national de Guinée. Stromae, formidable. Stop, c'est bon. Tu es disqualifié. Je m'en fous. Va porter plainte là où tu veux. Copicoler un Stromae, titre formidable. Très bien, allez-y. Formidable. Formidable. Attends, je mets l'instru. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas me draguer, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant, et bon c'est pas elle, reviens. 5 minutes quoi, je suis poli pour toi. La famille, moi je vous laisse, à la prochaine, c'est mieux. Formidable, tu étais formidable, je t'ai formidable, formidable. Eh, hey, pardon, j'avais oublié. Coro, gros tiré pour nous. Je m'en fous.